Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux nouveaux objets de soins sur Fortnite chapitre 3. Alors il y a le Medibrume et il y a le Requin Cœur. Alors, chaque objet a une spécificité différente, bien entendu, je vais vous l'expliquer. Inspecter. Donc, le Medibrume peut vous soigner vous, mais ça peut aussi vous soigner vos alliés, tout en étant en mouvement. Et ça, c'est quand même assez stylé, parce qu'on sait très bien qu'avec les bandages, les kits de soins ou les popos, ben, c'est un peu la merde. Quand on vous tire dessus, ben, vous êtes obligé de rester fixe pendant quelques secondes. Ben, là, regardez, si j'appuie sur L1, je peux soigner un coéquipier qui court à côté de moi et je le soigne. Par contre, ça ne me soigne pas. Par contre, regardez, là, je vais construire des rampes. Je vais m'infliger des dégâts. Hop. Donc là, regardez, là, je soigne mon allié, mais ça ne me soigne pas. Par contre, si je veux me soigner, il faut que je maintienne R1. Et là, je vais pouvoir me soigner. Donc, quand vous visez avec L1, ben là, ça soigne vos potes. Et quand vous appuyez sur R1, ça vous soigne vous-même. Et c'est 5 HP par 5 HP. Et franchement, c'est trop utile. Et c'est des bonbonnes à 150 HP. Donc, ça veut dire que vous avez 150 HP que vous pouvez récupérer. Donc, c'est encore mieux qu'un Medikit et c'est encore mieux que des bandages. Alors, la deuxième potion, ça s'appelle le Requin Cœur. Alors, celui-là, c'est uniquement pour vous. Et là, je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai mes PV qui sont pleins. Mais là, je vais tout simplement m'infliger des dégâts et vous allez voir ce que ça fait. Donc, ça aussi, c'est plutôt stylé. Regardez, vous la buvez, ça prend 2-3 secondes, vous la buvez et ensuite ben, ça vous redonne des PV au fur et à mesure du temps qui passe. Alors je ne sais pas si ça va me rendre l'entièreté, on va voir. Donc j'étais à plus ou moins 35-40 HP, là je suis monté à 75 et franchement je pense que ça peut vous soigner totalement. Hein. Corbeau en or. Ok, ça me soigne, attends je vais essayer de reprendre des dégâts. Ah, j'ai pas le temps. Est-ce que... Je vais essayer un truc. Ah oui, bien entendu, les deux objets de soins que je viens de vous présenter, vous pouvez les trouver un peu partout. Hein. Il y en a posés au sol et il y en a dans les coffres. Ok, donc je vais essayer un truc. J'aimerais bien savoir si ça va me réanimer en illimité tant que je prends des dégâts. Parce que ça pourrait être super cheaté que le requin cœur vous donne des PV. Tant que vous n'êtes pas à 100%, ça vous redonne des PV. Franchement, ce serait un peu trop cheaté. Mais je vais quand même tenter l'expérience, on ne sait jamais. Donc, je vais m'infliger des dégâts. On va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Je m'inflige des dégâts. J'active la potion. Donc là, je suis à 67. Je pense que ça donne 100 PV de maximum. Je pense pas que ça va en donner plus, mais on va quand même tester. Donc, j'étais à 67, je suis à 87. 90. Donc 67, 90, ouais ça fait déjà 20 HP, donc ça donne 3, ça donne 2 par 2, parfois ça donne 3, ça donne une fois 2, une fois 3. Donc là je pense que ça en fait encore 20 HP, donc on est à plus ou moins 40-50 HP. Donc là ça va encore faire 20, on sera à 70 HP. Et ça me soigne toujours pour l'instant, on arrive à 70 HP, enfin on a dépassé les 70 HP, on arrive à 80-90 HP. Ça me soigne toujours. Là, on va arriver à 100 HP. Est-ce que ça me soigne toujours? Non, mais je crois que ça me soigne. Ah non. Ok, ça s'est arrêté. Donc voilà, ça vous donne 100 PV maximum. Ouais, c'est encore heureux parce que sinon, ça aurait été cheaté de ouf. Donc voilà, je pense que je vous ai présenté tous les nouveaux objets de soins de Fortnite. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.